Salut à tous, c'est Luc pour Carnet de Voyage, jour 4, une journée sous le signe de la confrontation avec la nature, avec la descente du Rio Segura en rafting. Nous arrivons sur site, les jeunes sont prêts, changés pour la descente. Et voici notre petite équipe de chantier. Ouais. Ils ont tous mis les casques. Ça résonne bien. Et c'est parti pour l'embarquement. Et les bateaux commencent à se remplir. Alors une forte densité de rameurs là pour le coup. On est avec le capitaine sur la descente. Ça se passe bien les jeunes? Ouais, on se là-bas. Donc sur une descente assez sauvage. Ah oui, sauvage. Ah, quel est... Et capitaine sauvage Christian. Oui, aussi sauvage que toi, tiens. Et voilà le capitaine Christian. Voilà, bien l'out. Adelante, allez, France. Ok, chicos, vamos a remar hacia atrás, ¿vale? Vale. Vale. Et nous voici donc en train d'avancer sur le fleuve Segura, entouré par le au fond du canyon de Los Almadenes. Le retour du canoë, vient le moment de la signature par tous des affiches du projet à le répondre. Qui seront donc signés par chacun des jeunes trois fois de façon à ce que chaque pays puisse ramener une affiche à la maison. Donc de nouveau au ciné de plein air de Calaspara, cette fois-ci pour la cérémonie de clôture avec donc les discours officiels. Les jeunes vont rechanter les trois chansons mais présenteront également leur rap, ce qui n'a pas été fait hier soir. Nous sommes désormais en position cinéma pour la présentation du clip réalisé durant la semaine. Clip de rap sur la tolérance et la diversité. Je tire un trait sur mes ennemis, l'intolérance en fait partie. Nous ne sommes pas des soumis. Pour sauver l'esprit, il faut voyager. Pays, culture, on peut tout partager. Diversité, tolérance, c'est nos forces de défense. Tous unis dans l'espoir des classes de différence. Et pour finir la soirée de clôture, magnifique buffet avec la banda, les familles. Hello. Grand buffet avec, avec Yasmine aussi. Avec Yasmine. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Luc pour Carnet de Voyage. Aujourd'hui on peut voir que c'est la fête, et oui c'est le dernier jour, un peu triste mais on sait que bientôt ça va revenir normal. On n'a qu'une vie, profitons de notre jeunesse. Exactement. Sur ce on vous dit à la prochaine et à l'année prochaine pour une nouvelle année de folie.